Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, va pas tellement changer la France. Passent les jours et les semaines, y'a que des corps qui évoluent. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est flamand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les traditions imbéciles, ils les appliquent au pied de la lettre, ils font pitié tous ces débiles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feu d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier leur lavière, ils sont gouvernés par des cons. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à hurler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs côtes du Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers les derniers modèles de chez Renault qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y'a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffer le nain de Méron. Être sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Mais si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.